je m'entraîne à garder la balle sur la voiture, mais est-ce que tu as un tips pour vraiment bien le faire? Le tip, c'est que souvent, les débutants, quand vous voulez dribbler, votre problème, c'est que vous essayez de pousser la balle. Tu veux accélérer vers l'avant, tu pousses la balle. En fait, c'est faux, conceptuellement, c'est une mauvaise façon de penser. On fait tomber la balle vers là où on veut aller. Par conséquent, pour accélérer, tu dois d'abord freiner pour la positionner vers l'avant. On positionne la balle d'un côté ou de l'autre de la hitbox, je la positionne sur le côté, elle va tomber, et je la rattrape. Là, elle tombe, elle essaye de tomber sur la gauche, mais elle ne peut pas parce que je remets ma voiture dessous. Si j'essaie de la pousser, ça va faire ça. Là, je la laisse tomber devant. Donc paradoxalement, il faut accélérer pour ralentir la balle, parce qu'il faut la doubler, il faut la positionner. Je la positionne vers l'avant, elle va tomber vers l'avant, elle accélère. Plus j'accélère, plus elle tombe, plus j'accélère, plus elle tombe. Et au bout d'un moment, elle va aller plus vite que moi, et par conséquent, si elle va plus vite que le supersonique, je vais en perdre le contrôle, parce qu'elle va aller trop vite. Plus je la positionne vers l'avant, plus je tombe. Vous voyez ?